Moi, ça qui me permet de penser, il n'y a pas de choses qui me font. Je ne peux pas me faire des choses. Bon, je suis un peu plus jeune. 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 Et comme je l'ai dit aujourd'hui, je vais vous donner les différentes versions de papa dans la langue Yemba, de papa et de père dans la langue Yemba. Et sachez que, en fonction du contexte dont on parle, on dit ce langue, on peut dire papa ou père, mais sachez que en Yemba, on dit mo, mo, ça signifie papa, ça signifie père. Papa, ça signifie papa et ça signifie père. Sachez qu'ici, ici on lit un peu comme si il y avait le ton moyen ici et ici. Papa, c'est en français qu'on dit papa. Papa, papa. Donc, les deux, papa, ça signifie papa, ça signifie aussi père. Alors que mort, ça signifie aussi papa, ça signifie aussi père. Maintenant, quelles sont les circonstances où on utilise papa, papa? Quelles sont les circonstances où on utilise mort? Je vais vous expliquer ici au tableau pour que vous voyez, pour que ce soit beaucoup plus clair. Afin que si vous vous exprimez souvent, vous ne commettez pas souvent des erreurs. Remarquez une chose. Mort, ça signifie père de, ou bien papa de. Voilà déjà un petit truc que vous pouvez comprendre. Et ça signifie également monsieur. Par exemple, on peut dire mon enfant. Par exemple, dans la langue, on peut dire mon city, par exemple. On peut dire ça. C'est-à-dire, on peut dire ceci. Mon city. Mon city, ça signifie monsieur city. Et il y aura les circonstances où ça pourra aussi plutôt signifier le père de city. Donc, ça dépend aussi de la phrase dans laquelle on est en train de parler. J'espère que vous comprenez. Sachez donc que. On utilise mort lorsque on veut associer le père ou bien le papa à quelqu'un. À cet effet, en Yemba, on pourra dire mooga, 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 c'est mon père, mooyimbe, notre père, moowe, votre père. Donc, lorsqu'on veut associer papa à quelqu'un, ou bien lorsqu'on veut utiliser l'adjectif possessif sur papa, hein? Regardez ici. J'ai dit qu'on utilise le mot lorsqu'on veut associer le père ou bien le papa à quelqu'un. À cet effet, regardez un peu. Mort Raoul, par exemple. Mort Raoul, c'est le père de Raoul. Hein? Mort Raoul, c'est le père de Raoul, par exemple. Mort Sidi. Mort Sidi, c'est le père de Sidi. Et sachez que l'utilisation de mort aussi est à double tranchant. Mort Raoul, ça signifie le père de Raoul. Vous voyez un peu. Et mon Raoul, ça signifie aussi monsieur Raoul. Donc, je sais que vous voyez. À chaque fois qu'on utilise ça, sachez que c'est à double tranchant. Maintenant, en fonction du contexte dans la phrase, vous pourrez facilement vous retrouver. Bon, ici, je ne forme pas les longues phrases. Si vous formez les longues phrases, vous devez voir que pendant la traduction, ça n'allait pas être difficile à scinder. Mon Raoul. Par exemple, on me dit mon Raoul est le frère Lessi. Mon Raoul est le frère Lessi, ça signifie monsieur Raoul avait mangé le riz. Donc voilà en quelque sorte ça. Donc sachez qu'on utilise ça lorsqu'on veut associer le père à quelqu'un. Et là, l'autre option de ça, soit on va associer le père à quelqu'un, comme j'ai dit, moi Raoul, c'est le père de Raoul. Et ou bien l'autre option de toujours de ça, c'est lorsque on veut donner un titre à quelqu'un. Ainsi, on a dit, moi Raoul, ça signifie monsieur Raoul. Donc moi Raoul, c'est le père de Raoul et ça signifie aussi monsieur Raoul. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est à double tranchant dans une telle circonstance. Et on utilise aussi ça lorsqu'on veut associer, comme je l'ai dit, associer à une personne. Donc, on peut aussi utiliser ça lorsqu'on veut appliquer un adjectif possessif sur ça. C'est pour ça qu'on pourra dire Mooga. Mooga, par exemple. Mooga, c'est mon père. Mooga. Mooga, c'est votre père. Vous voyez qu'on applique l'adjectif possessif ici. Mooga, mon père. Ici, c'est l'adjectif possessif. Lorsqu'on va appliquer l'adjectif possessif sur Mooga,
Alors, on utilise plutôt moi. Ou bien, ici, ouais, c'est votre. Moi, ouais, votre père. Donc, on applique la lecture positive sur moi, comme vous pouvez voir au tableau là. Vous avez vu les trois circonstances où on utilise moi. Maintenant, il y a une deuxième circonstance. À quel moment est-ce qu'on utilise papa? Papa, ça veut d'abord dire quoi? Papa, ça veut dire père, ça veut dire papa. Papa, ça signifie père, ça signifie papa. Et sachez qu'on utilise beaucoup plus papa lorsqu'on veut associer le papa à un lieu. Généralement, vous allez entendre rien à un bagage quand on dit papa Tarfou, qui signifie le père du carrefour. Papa Tam, par exemple, c'est le papa de Tiam. Papa Tam. Vous avez vu. Maintenant, on peut aussi dire papa Yaoundé, papa Ndouala, papa Fessab. Donc, vous voyez que ici, papa est souvent beaucoup plus utilisé lorsqu'on veut associer à un lieu. Papa Carrefour, c'est le père du Carrefour, ou bien papa, le papa du Carrefour. Comme je l'ai dit ici, papa, papa, ça signifie le papa ou bien le père. Et ici, moi, je n'ai pas besoin de dire tout, de préciser ceci, parce qu'il y a un cours dans cette chaîne où nous avons parlé des articles définis. On vous avait dit que dans la langue Yimba, il n'y avait pas d'article défini. Ce n'est que pendant la traduction dans l'autre langue qu'on tenait compte de cela. Et si vous n'avez pas vu le cours sur les articles définis, je pense que c'est la continuité. Voilà. Donc vous voyez ici. Et sachez aussi une chose. Il est bien vrai que mort, ça signifie père de, papa de. Et papa, ça signifie papa ou père. Sachez aussi que souvent par abus, les gens utiliseront papa à la place de mort. C'est-à-dire, ils appliqueront l'article possessif à papa, à par abus. C'est-à-dire, il y aura des cas où on dira papa là. Sachez que papa là, ce n'est pas faux. Mais sauf que dans le langage courant, parler Yemba, ce n'est pas très correct. On peut dire papa là, qui signifie mon père. Alors, au lieu de dire mo là, comme ici, je vous ai dit que ici, c'est, on applique l'article possessif et ça marche. On peut dire mo là, c'est bon. Mais papa là, c'est plus ou moins bon. Donc, on utilise aussi papa. Par abus, en remplaçant ça ici. Mais par contre, sachez que les deux ne sont pas exactement pareils. Donc, c'est ça. C'est exactement comme je vous ai expliqué. Donc, par abus, celui-ci peut être remplacé, peut prendre la place de celui-ci. Et maintenant, sachez aussi une chose, c'est que moi et papa sont aussi souvent utilisés dans des phrases où il n'y a pas d'émotion à l'intérieur. C'est-à-dire, dans des phrases où on ne veut pas associer le père ou le papa à quelque chose. Ici, j'ai dit qu'on associait le papa ou le père à quelqu'un ou à quelque chose, ou bien on appliquait la lecture possessive sur le père et que ça signifie aussi monsieur. On utilise papa lorsqu'on veut associer le papa à un lieu. Sachez que maintenant, les deux ici ont un lien. Le lien que moi et papa ont, c'est qu'on peut tous les utiliser dans une phrase. Lorsqu'on n'est pas contraint d'appliquer la lecture possessive sur le père ou bien papa, lorsque on n'est pas contraint d'associer le père à un lieu, lorsqu'on n'est pas contraint de donner un titre à un père, des contraintes des deux-ci, alors on peut utiliser l'un à la place de l'autre sans problème. Ça veut donc dire que quoi? En réalité, celui-ci se différencie de celui-ci. Mort se différencie de papa, lié au fait que mort est utilisé lorsqu'on veut associer le père à quelqu'un. Ou bien lorsqu'on veut appliquer la lecture possessive au père, ou encore lorsqu'on veut donner un titre à un homme. On utilise ça. Et on utilise papa lorsqu'on veut associer le père à un endroit, ou bien lorsqu'on veut associer le papa à un endroit. Là, c'est la plus grosse différence qu'il y a entre eux. Hormis de cette différence, lorsqu'on est dans une phrase et qu'il n'y a pas une contrainte liée à ce que je viens de vous donner là, alors on utilise l'un ou l'autre et on n'a pas de problème. Regardez, je vais faire deux phrases pour que vous voyez. Regardez par exemple les deux phrases ici. Ici, on a utilisé papa ou mort dans les mêmes phrases. Vous remarquez que ici, à partir d'ici, la partie ici, c'est la partie ici. Remarquez, ici, tout ça, c'est tout ça. C'est la même chose. Je vous ai donc dit que, hormis des contraintes liées à soit à l'association de mort à la possession, ou bien à un titre, ou bien papa à l'association du papa à un lieu. Hormis des contraintes que j'ai expliquées jusqu'à présent, les deux sont utilisés lorsqu'il y a une certaine neutralité au moment où on parle. Regardez ici. Papa le m'fete m'kou. Je relis. Papa le m'fete m'kou. Qui signifie papa mangeait la canne. Regardez par contre ici. Mon le m'fete m'kou. Mon le m'fete m'kou. Qui signifie papa mangeait la canne. Vous voyez que
Papa Olem fait d'un coup. Les deux sont pareils. Parce qu'ici, ici on a dit Olem fait d'un coup, qui signifie manger la canne. Ici, on n'est pas en train d'associer le papa à quelqu'un. On n'est pas en train d'appliquer la logique possessive sur papa. On n'est pas en train d'associer papa à un lieu. C'est pour ça que les deux peuvent s'interchanger. Je peux mettre papa ici, ici. Donc je peux faire ceci. Regardez, je peux changer ça comme ça. Je peux venir ici, je mets mort. Et ici, je mets papa. Donc ça, c'est interchangeable. Hormis les consonnes que je vous ai données. Mort l'aime, fait un coup. Papa mangeait la canne. Papa l'aime, fait un coup. Papa mangeait la canne. Attention, il y a un ton haut ici. C'est le verbe. Mort l'aime, fait un coup. Et ce que vous avez vu. Donc, c'est en effet de ça qu'il s'agit. Bon, j'espère que je vous ai donné, avec des explications, ce que vous devez savoir. Et c'est pour ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris quelque chose. Il faut mettre votre préoccupation, bien votre question, dans les commentaires. Et je me ferai le plaisir de vous répondre. Ça peut être peut-être par une vidéo, ou bien ça peut être directement une réponse. Si je trouve que ce n'est pas nécessaire de faire une vidéo pour vous donner votre réponse. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!